une posidonie, où un hippocampe ventru détache sa queue de l'algue qui lui a sauvé la vie, des bancs de sardines, des mérous, et là, un petit Bernard l'ermite qui sort la tête de sa coquille blanche. C'est notre héros. Bernard est un quêteur. Il cherche à atteindre l'illumination. Et pour ça, il suit les conseils de son maître, l'hippocampe, maître hippo. Et tous les jours, il va méditer dans sa grande solitude de sable en se rappelant les conseils de son maître. Pour l'illumination. Facile. Pour l'illumination. Rester zen dans sa coquille. Facile. Tranquille. Zen. Et gonflé de méditation. Facile. Zen. S'envoler tel le clown poisson. Zen. Par-dessus bord toutes les peurs, des plages de confiance. Par-dessus bord toutes les colères, des océans de gentillesse. Et dans son ascension vers la si haute surface. Facile. Espérer un jour la traverser pour comprendre enfin le grand mystère. Pourquoi il y a de la lumière qui tombe de tout là-haut. Et tous les jours, Bernard va méditer. Mais ce jour-là, quand il arrive au milieu de sa grande solitude de sable, en plein milieu, il voit une huître moche. Toc et toc et toc. Bonjour, mademoiselle l'huître. Je m'appelle Bernardo Lérémy. Ton nom est prédestiné pour l'illumination. Et tous les jours, je viens méditer là, dans ma solitude, ma solitude avec une huître. C'est plus une solitude. Alors, je vous en prie, dégagez. Aïe!